Ah, je vous vois, j'arrive. Ne bougez pas, attention à la tête. Et hop, à nous. Je viens de vendre mon appartement en un temps record. Et ça alors, t'as vendu ton bel appartement? Bah. Pourquoi? Bah, si tu me laisses parler, c'est justement le thème de cette vidéo. Désolé, c'est ça. Et voilà, merci. Je suis Franz. C'était la troisième fois que je mettais en vente mon appartement. La première, c'était il y a 2 ans. J'avais attendu 6 mois pour avoir une offre largement en dessous de mes attentes. La vente s'est pas faite. Il y a 9 mois seulement, j'ai mis en vente mon appartement et je me suis rétracté. Dans la même journée, je l'ai retiré de la vente. Pourquoi? Parce que c'était clair que ma motivation pour vendre à ce moment-là, c'était la peur. La peur du manque. Et je me demandais ces 2 fois précédentes comment j'allais m'en sortir pour continuer à payer mon crédit. Aujourd'hui, je l'ai vendu très vite, au-dessus de mes attentes, en tout cas au prix annoncé. Parce que ma motivation, cette fois, elle est juste. Je vous amène un petit peu plus loin, je vous raconte tout ça. Ce qui m'a poussé aujourd'hui à vendre, c'est l'envie, l'élan, le désir, le nouveau projet qui m'anime en ce moment. Bon alors, tu le dis, ton projet, ce que c'est? On n'a pas que ça à faire, nous. Hein. Pour bien comprendre le projet, je remonte au début du confinement. Je dirige la compagnie Il était une joie, faisant des spectacles de marionnettes pour les enfants, pour les familles. Avec le confinement, tout ça s'est arrêté. Nous n'avons pas souhaité perdre le contact avec les familles. 2 collaborateurs et moi-même, nous avons donc réalisé tout le temps du confinement et le mois qui a suivi, 20aine de vidéos pour enfants de Guignol. J'ai profité de l'été, de la baisse du nombre de vues de nos vidéos sur YouTube pour faire une pause dans la réalisation de vidéos. Par contre, j'ai commencé une formation vidéo pour continuer à m'améliorer dans le tournage et dans le montage. Je me reconnecte ainsi à une passion découverte dans l'adolescence. J'ai envie de réaliser des vidéos, plus précisément des reportages. Des reportages de personnes inspirantes. D'ailleurs, j'ai commencé. Je suis déjà en train de réaliser un premier reportage de Charlotte et Arthur. Je dois retourner les voir pour les interviewer. J'ai vendu mon appartement. La deuxième étape, j'achète un camping-car. Je pars faire un tour de France à la rencontre de gens inspirants. Je vis la vie nomade, la van life si vous préférez, un temps indéterminé. Alors ce projet en forme de cadeau, c'est aussi une façon pour moi de répondre en tout cas partiellement à 3 questions existentielles. Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Clairement, oui. Est-ce que je vis où j'ai envie de vivre? Eh bien, ce voyage à travers la France, j'espère, me permettra de trouver le lieu où j'aurai envie de poser mes bagages, de m'installer là où je me sentirai bien chez moi. Et enfin, est-ce que je vis avec la bonne personne? C'est oui. Je suis avec moi-même, j'écoute mes besoins, je donne du sens, encore plus de sens, à ma vie à travers ce projet. Après, si une amoureuse arrive, ben ce sera la cerise sur le gâteau, mais chaque chose en son temps, et j'ai confiance que cela arrivera au bon moment. Alors je vous dis à très vite mes amis, je vous donne rendez-vous pour la suite de mes aventures, restez en contact à travers cette chaîne Made in France. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Ciao.